j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va nickel. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le tour du potager pour la mi-juillet et puis je vais vous montrer comment j'ai agrandi ma terrasse. Ça attendait depuis très longtemps mais je ne pouvais pas le faire avant d'avoir terminé le côté de la maison. Parce qu'il fallait que je passe des brouettes et des brouettes de terre, et c'était des tonnes et des tonnes de terre. Donc je ne me voyais pas le passer sur ce que j'ai fait maintenant. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors nous allons faire le tour du potager pour le début du mois de juillet, parce qu'on ne l'a pas fait. Donc la planche des patates douces se portent super bien. Les lianes se partent. Il faut que je le remette d'ailleurs là, parce qu'après quand je passe à la tondeuse, c'est le bazar. Donc j'avais mis au milieu des patates douces, j'avais mis trois blettes. Voilà. Le problème c'est que c'était une plage où il y avait plein de blettes et qu'il y en a qui se ressemblent. Donc je vais les déplacer. Je veux vraiment pas faire comme il y avait, où il y en avait partout, vraiment, où c'était bouché de chez bouché. D'abord parce qu'il y a les patates douces. Hein. Mais là, je pense que ça suffit, vu que les patates douces, ça pousse sous terre, et les blettes, à part les racines, le reste, c'est au-dessus de la terre. Donc c'est pour ça que je me suis permis de rajouter trois blettes et de mettre... alors je me demande... si c'est moi qui l'ai mis ou si ça s'est ressemé, et de laisser en fait la bourrache qui est là, parce que logiquement ça fera pas, ça embêtera pas trop les patates douces et la bourrache. Oui, je déplace les bourraches, je les enlève surtout pas, je ne les détruis surtout pas entre guillemets, hein, même s'il y en a beaucoup, tout simplement parce que c'est mellifère. Mellifère à x 1000 quoi, donc c'est génial quoi. Alors la deuxième planche, je prends quelques bouts de salade. Les salades là elles ont eu du mal parce qu'il a fait chaud quoi, donc elles commençaient à baisser de la tête, donc de toute façon après celle là il n'y en aura plus hein, donc elles poussent, je prends une feuille de temps en temps et puis voilà. Les tomates, les tomates vont bien, celle là elle commence à être un peu grande. C'est bizarre comme couleur. Ouais, c'est un peu bizarre comme couleur. L'herbe elle n'est pas aussi elle n'est pas aussi verte anis là, ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre comme couleur. Bon, c'est pas grave. J'avais mis celle-là, je l'avais mis, voilà, c'est celle-là que j'avais replantée là de bourrache, là c'est sûr, et celle-là je suis quasiment sûre que elle s'est ressemée. Donc là j'avais mis les dernières patates douces entre les... enfin non, j'avais fait toute une ligne là, puis là je l'avais mis entre les deux pieds de tomate, là où il restait de la place en fait. Ensuite, c'est rigolo hein, en fait, cette noire de Crimée, c'est elle qui m'a donné la première tomate rouge, et elle grandit pas. Alors que les autres sont super grandes quoi. Et elle, pas trop. Peut-être que à cet endroit-là, ben non, si c'était pas assez amendé... il n'y aurait pas de tomates et puis elle donnerait pas de tomates rouges. Bon, on verra. C'est pas grave, de toute façon j'en ai assez. Et puis voilà, ça ce doit être des courgettes. Des courgettes vertes des maraîchers. Alors j'ai pas encore eu de courgettes, vous allez voir. Dans l'autre potager, j'en ai une jaune que je vais bientôt récolter. Parce que j'aime pas récolter les trop grosses. Donc mais voilà, après je les ai pas mis aussitôt que les gens quoi, donc c'est normal. Et là logiquement c'est un petit marron, par contre je suis très étonnée de la feuille, donc on verra, parce que vu que c'est de mes graines, on verra si c'est vraiment un petit marron ou si c'est un mélange ou si c'est... voilà, ce qu'il y a c'est que ça a quand même des... comment ça s'appelle? Je sais plus. Des spirales là, des spirales pour s'agripper. Et les petits marrons, ah non, mais il me semblait que ça n'avait pas cette feuille là. Il faudrait que je regarde avec notre une autre. Celle de là-bas, que je ne vous ai pas montrée là. Hop. C'est des trucs d'or là. C'est des... je sais plus quoi là. Des courges... Des courges qui sont rondes et qui sont jaunes. Ensuite, là, bah, les tomates se portent bien aussi, hein, vraiment. Mais j'ai un faïs de tomates vertes, quoi. Hein, là, j'en ai énormément. Hop, hop, hop. Je vous montre tout ça. Là, j'en ai énormément. Après, sur celle-là, en fait, vous allez voir, j'en ai aussi énormément. Donc il me tarde qu'elles rougissent. Il y en a même des petites en préparation là. Tac. Donc là pareil, hein, c'était la planche aussi où j'avais mis de la salade, des pieds de tomates et des poireaux. Avec une... C'est celle qui s'est ressemée cette année, si j'en ai semé, mais là-bas, pas dans le potager. Voilà, du cosmos. Ensuite, là, logiquement, j'ai aussi... Ça, c'est un concombre. Qui m'avait donné déjà un concombre. Et celui-là, en fait, il bouge plus. Celui qui est à côté, qu'on verra après, il en refait. Donc là, toujours pareil. Tomates vertes de partout, mais vertes, voilà. On attend. Ah, quand elles vont rougir, si elles rougissent toutes en même temps, ça va être un déluge de tomates, hein, parce qu'il y en a quand même énormément. Donc là, j'en ai entre 10 et 15 hein, sur ce pied, rien que sur ce pied. Là, j'en ai à peu près pareil, là, j'en ai un peu moins, mais quand même. Bon, les tomates cerises, c'est les seules que j'ai mangées encore. Enfin non, pardon, je dis des bêtises, hein, puisque j'avais mangé de cette noire de Crimée là. Mais sinon après je mange, oui, quelques tomates cerises pour l'instant. Donc voilà, elles vont bien, les poireaux poussent aussi. Là, ça y est, je vais pouvoir les récolter. Sauf que aujourd'hui il a plu. Cette nuit il a plu, donc on va attendre. Mais elles sont prêtes pour faire des graines, donc c'est chouette. Je vais pouvoir débarrasser cette donc prochain travail en fait, hein, débarrasser cette planche et je vais y mettre en tout cas je pense qu'il y a pas mal d'azote hein, puisqu'il y a des orties qui poussent, mais je vais voir comment est la terre et je vais sûrement y mettre un peu de fumée qui me reste de l'année dernière en fait. Je n'avais pas tout utilisé. Là les pommes de terre commencent un peu à se recourber, à jaunir et tout ça. Donc je vais les laisser pour l'instant. Oh oh oh, j'ai rêvé ou j'ai vu un truc? J'ai vu un dorifort. Non, je ne le retrouve plus. C'était par là-bas, je sais plus. Non, peut-être j'ai rêvé. Bon. Je regarderai de nouveau, mais ici j'en ai pas trop. Je sais pas pourquoi. Et là, bah là c'est pareil en fait. Hop. Les tomates se portent bien. Et ici aussi on a un petit marron. Alors voilà. Là ce petit marron il n'a pas la même feuille. Et là par contre, je vais voir quand il va grandir. Mais là, il n'y a pas de spirale. Alors, on va voir ce qu'il en est. Pour voir si c'est bien des petits marrons, si c'est des mélanges en fait de trucs. Ah, il faut que je ramasse. J'avais vu qu'il y avait des... Ah ouais, mince. J'avais vu qu'il y avait des haricots. Donc il faut que je les ramasse. Et il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais bon, comme c'est les premiers. Donc les haricots se portent bien, hein, comme je viens de dire. Il y a encore des fleurs et tout ça. Là, il y a les dernières patates douces qui me restaient. Je ne pouvais pas les jeter, je ne peux pas. Et la salade que je coupe peu à peu. Voilà pour le Et j'ai pas encore terminé d'enlever les choux là, de l'hiver. Il faut que je le fasse absolument. J'en ai mis un dans la cabane derrière pour qu'il sèche bien et qu'il fasse les graines. Mais là, je voudrais en enlever quand même un autre. Et après, quand j'aurai tout enlevé, je vais faire comme sur la planche voilà, des pois gourmands. Je vais mettre un peu de terre, de fumier. Et puis on verra pour planter pour cet hiver. Cet hiver, en fait, je pense que je vais planter que là. Et sur cette planche-là. Je pense que ce sera les deux où je planterai. Les autres, je vais les laisser tranquilles. J'y mettrai du fumier et je les laisserai. Voilà. Je ne vais pas en mettre un peu partout comme je fais d'habitude. Je vais faire très peu de choux parce que j'en ai trop. D'habitude, je mange pas, moi. Je mange pas énormément de choux. Je devrais en manger peut-être, mais j'ai comme j'ai un peu un côlon irritable, le chou, c'est pas tip-top, quoi. Donc voilà. J'ai fini de ramasser les prunes et puis elles sont tombées, les dernières sont tombées. Autre chose à faire, il faut que je taille là pour que ça arrête de me retomber dans le potager parce que ça n'arrêtait pas. Donc voilà pour le potager. Pour le premier potager, enfin celui qui est le plus abrité, le plus à l'ombre. Et c'est tellement agréable de m'asseoir là. Et de regarder mes tomates. Non, je m'assieds de temps en temps, je suis fatiguée et je regarde, ça me fait plaisir. On passe à l'autre. Bon. L'autre potager qui est là-bas et qui est moins amendé, donc ça grandit moins vite quand même. Donc voilà le potager qui n'en est plus un. Non, mais il n'était pas longtemps, donc à l'endroit où j'avais l'année dernière et l'année d'avant le potager, qui est très peu amendé, hein, où j'ai mis cette année, en fait, j'ai mis juste les courges parce que j'avais pas trop de place ailleurs. Donc, enfin, les courgettes. Donc là, on a deux courgettes, je sais plus de quoi, de grisettes de Provence, je crois. Et voilà, qui sont en fleurs. J'espère qu'elles vont s'ouvrir, comme ça je vais pouvoir les aider à se polliniser. Ensuite, il y en a une là. Il y en a là. Il y en a tout le tour en fait. Hein. Là c'est pareil, il y en a qui arrivent. C'est des grisettes de Provence aussi. Alors celle-là, peut-être la toute petite, elle va peut-être pas marcher. J'ai l'impression qu'elle n'était pas bien pollinisée, mais celle-là oui. Ensuite, pareil. Et les premières que j'ai mises, je suis désolée en fait, je renifle, c'est vraiment pas beau. Et les premières que j'ai mises, voilà, c'est celle-là que je vais bientôt cueillir. Parce que je les aime bien à ce stade-là, moi. Et là, elles font une phase de fleurs, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là en fait, c'est là où j'aurai après un gros massif. Donc avec une allée au milieu. Voilà, mais pour l'instant en fait je laisse les choses qui se ressèment comme les blettes et tout ça. Comme ça, voilà, ça me permet de prendre la place. Et puis de temps en temps j'ai des feuilles et puis voilà. Là j'ai une petite, elle commence à partir, mais c'était pas top hein, quand même. C'est pas le top. Alors là les tomates sont beaucoup plus petites après. La terre est vachement moins amendée. Hein. Celle-là, ça fait 4-5 ans que je l'amende de terre. Hein. Alors que dans le potager juste avant, là, ben, ça fait 10 ans. Donc, sachant qu'ici, c'était une prairie, quoi. Donc, c'est pas de la super terre. Hein. Voilà, celle-là grandit pas. On verra ce que ça va donner. Peut-être ça va donner des énormes tomates sur un mini-pied. Qui sait ? Pardon encore pour le reniflage, le reniflement. Donc encore là c'est celle dont je me sers de salade, vraiment. Ah, j'avais pas vu, j'ai une courge là qui arrive. Cool. Et voilà, après là-bas, c'est pareil. Là c'est pareil, mais regardez hein, la différence entre ces tomates cerises là, c'est les mêmes hein, que celles que j'ai mis dans l'autre, dans le potager là-bas, hein. C'est les mêmes, hein, vu la hauteur. Elle fait 50 cm. Et les autres, elles sont là. Et beaucoup plus grosses, quoi. Donc voilà, là j'ai retiré une partie des pommes de terre. Tiens, hop, par-dessus. Une partie des pommes de terre, hein, parce que ça donne pas énormément, quoi. C'est vraiment... donc j'en avais besoin, et puis voilà. Une mini qui n'arrive pas à grandir, mais ça y est, elle commence à prendre, c'est bien. Là, c'est bon, ça commence, tout ça c'est des, alors ça c'est des pommes d'or ou des potimarrons. Alors ça c'est quoi? Ah non, ben voilà, je dis une bêtise, c'est une Jack B. Little. Et donc j'ai mis des, là j'ai mis des fils de fer pour que ça puisse s'accrocher. Là il y a un grillage qui est moche, mais il fait effet en tout cas. Et là, je ne sais plus ce que c'est, vu les feuilles, ça doit être à peu près la même chose. Je pense que c'est une Jack B. Little aussi, donc qui grandit et qui fait une fleur mâle. Non mais il y en aura d'autres de toute façon, au départ ça commence comme ça. Donc ceux-là hein, grandissent aussi, hein. C'est vraiment celles qui sont de l'autre côté, là, côté tomate. Donc voilà, ça part bien quand même. C'est pas... Enfin moi je les mets plus tard que les gens, donc... Enfin plus tard. Je les ai pas mis mi-mai, je les ai mis début mai je crois. Donc voilà. Petit tour de potager. D'étaler 600 kilos, j'allais dire 600 tonnes, 600 kilos de cailloux, de calcaire. Pourquoi du calcaire? Parce que ici c'est ce qu'il y a, et que ma maison elle est comme ça quoi, elle est blanc cassé. Donc j'ai laissé des endroits tout simplement. Parce que j'ai pas terminé en fait de mettre les pierres comme là en fait, j'y suis allée jusque là, les deux qui sont là sont posés aussi, mais bon il me manque en fait tout le reste. Donc et puis il me manque logiquement en face, mais ça va être différent puisque là il y a la pelouse, donc ça va être des plates que je vais poser à moitié dans la pelouse et à moitié sur le géotextile, voilà. Et après je pense que je vais en rajouter quelques pelletées. Et on sera bon. Allez, ça avance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais remercier tous les abonnés de cette chaîne. Je vous remercie d'être là. Vous êtes 1073, je viens de le regarder à l'instant. C'est bien, c'est génial, c'est extra, 1000 personnes. On va se dire à la fin de l'été combien. Dites-moi dans les commentaires, tiens. Combien vous voudriez qu'on soit à la fin de l'été? Puisqu'on est à 1073. On n'est pas à 1100. Pas encore. Donc combien on peut faire à la fin de l'été? On va voir ça. Hein, je voulais vous remercier à tous. Ah oui, en fait, j'ai regardé aussi les statistiques. En fait, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Mais où sont les femmes? Je parle de ménopause. Et il y a 66% d'hommes et 33% de femmes. Et 1% de je sais pas quoi d'ailleurs. Ça fait 99, ça savait pas ça. Il y a 1% de quoi? De chiens, de chats? D'enfants. enfant, il y a 1% d'enfants qui suivent ma chaîne. Non. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas toujours pas abonné. C'est pas normal ça. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et puis de laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez. Ah mais ouais, ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Non, pour me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et je voudrais faire une foire aux questions. J'ai des difficultés avec FAQ, donc une foire aux questions. On est à plus de 1000 abonnés, donc on peut faire une foire aux questions. Donc, dans les commentaires, hein, là, de cette vidéo, vous allez me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Et, alors, est-ce que ce sera la prochaine vidéo ou la fois d'après? Bon, je pense que la prochaine vidéo, ça peut le faire, hein. On va voir, on va peut-être attendre une dizaine de jours avant. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez me poser, dans la limite du raisonnable. Et puis voilà quoi. Et je répondrai dans une vidéo. J'arrêterai d'écrire, parce que j'aime bien écrire. Vous avez remarqué en fait que je répondais beaucoup. Je répondais des pavés même aux commentaires. Et cette fois-ci, je parlerai. Voilà, donc lâchez-vous, posez toutes les questions que vous voulez. Et ce sera avec grand plaisir que je les accueillerai. Et je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.